بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال هذا الفيديو سنقوم بتصحيح بروجي 1 ضمن سلسلة وورد أو موس وورد 2006. بالنسبة للبروجي ديالنا هو هذا، on va fractionner tout d'abord le projet pour avoir les tâches en dessous. Alors, غادي نفراكسيون لو بروجي ديالي هنايا. باش يبقاو عندي لي كيستيون لتحت مع البروجي الفوق. الوغ بور لا بروميير كيستيون او بيان لا بروميير طاش او با دو لا بروميير باج تريي لو تابلو اون فونكسيون دو شون برودوي بار اوردر كرواسون. دونك تو دابور جو في شيرشي او با دو لا بروميير باج لو تابلو ديالنا هو هذا. دونك il suffit باش نكليكي على لو تابلو وكيبان عندي واحد لونكلي ديناميك هنايا. La question c'est trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Donc le tableau qui est ici, le tableau est radié à l'extérieur, mais il est en deux parts, la première et la deuxième. Alors, pour la première page, il suffit de cliquer sur ce tableau, n'importe où, le ou la fluorescence de la film, et atteindre l'onglet dynamique, outil de tableau. On dit deux onglets, création et disposition. Pour l'onglet création, qu'est-ce que c'est que le tableau il y a total dans le tableau, tel que les styles, les trames de fond, etc. Mais quand je fais le choix, il y a des choses. Quand je fais l'onglet disposition, ou il y a trier le tableau en fonction du champ produit. Alors pour le champ produit, il y a le tableau. Donc, il y a disposition et je vais sur trier de A à Z. Donc, on a besoin de trier en fonction du champ produit. Voici le champ produit. Et par ordre croissant, voici ordre croissant. Et je valide par OK. Donc, maintenant, le tableau est trié. Alors, pour la deuxième tâche, configurer le tableau. Toujours sur le tableau, tarif et produit. Tarif et produit, c'est le titre du tableau. Le voilà. De manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. Et là, la hatoumaya, les titres. دي كولون هما هادو ديال لونتيت ما كيتعاودوش عندي هنايا. الوغ الا دركتهم ما كنبقيش نعرف انا شنو هما هاد لي تيتغ. دابا باش انني يتعاودو عندي في لا دوزيام باج، جو سيليكسيون لا لين اي جو في توجور سير لونغلي ديسبوزيسيون دو لونغلي ديناميك اوتي دو تابلو. عندنا ريبيتي لي لين دونتيت، روكاردي هنا هاد البلاصه خاويه. دونك فاش غنكليكي على ريبيتي غادي يبانو عندي هنايا كوم سا. الوغ شتوهم هما ولاو تيبانو. فاش تنكون في دوزيام باج كنعرف اشنو هما les entêtes lignes. Pour la troisième tâche, dans la page 2, donc voici la page 2, créer un tableau à partir du texte date de création, l'équipe de date de création, qui est l'ellipse 77. Donc, nous allons voir les trois points, c'est-à-dire la première ou bien le premier mot, ou qui est l'ellipse le dernier mot. Donc, on va voir la date de création jusqu'à 77, qui est l'ellipse. من هنا وكنزل حتى لهنايا 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Donc انا سيليكسيونيت لو تيكست ديالي، جو في كونفيرتير هاد لو تيكست اون تابلو. الوغ غادي نمشي لانسيرسيون تابلو كونفيرتير لو تيكست اون تابلو اي جو في اجوستي ا لا فينيتر. حتى عندي هنايا لي كولون دوف كوفرون ou bien doivent couvrir toute la largeur de la fenêtre. Donc, il y a nombre de colonnes, 5. Voici le nombre de colonnes, 5. Et je valide par OK. Et voilà mon tableau est créé. La quatrième tâche, dans la page 2, toujours dans la page 2, à droite de mode lecture, donc à droite de mode de lecture, ici, pardon, à droite, c'est pas à gauche, insérer une note de bas de page. Pour insérer la note de bas de page, je vais toujours sur référence. Voici la note de bas de page. Alors, couper le texte remarque, l'équipe d'ab remarque, ok, interrib se complète mutuellement et coller-le dans la note. Donc, ah ouais, le texte que je vais couper, d'accord, juste le texte, juste le point, bouton droit, couper, ou bien CTRL X. Alors, et coller-le dans la note. Donc, je vais créer une note à droite de mode lecture ici, référence, insérer une note de bas de page. Et dans la note, je vais faire CTRL V et voici le texte est collé. Pour la cinquième tâche,
Dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mot de lecture et le titre, programmation séquentielle, donc un head mot de lecture, le paragraphe les maintenant et le titre programmation, je vais chercher, voici, le paragraphe qui suit mot de lecture et le titre. Donc entre les deux, je vais poser le curseur ici, ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Donc un diagramme, c'est un smart art, donc Ardimchi insertion. Smart Art. Et voici le processus. Et voici le processus simple en chevron. Il suffit باش انك تسيرفولي فوق منهم وكيبانوا الاسماء ديالهم. هذا هو processus simple en chevron. Je sélectionne et je valide par OK. Donc voilà. Et je vais ajouter du texte dedans. Donc le texte, ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Insérer dans ce diagramme les textes suivant, de gauche à droite, c'est-à-dire Milena, le Wultani, Telt. Lecture aléatoire, mode pause, augmenter le volume. Donc là, je vais utiliser le menu Naya, Radimchi, lecture aléatoire, bouton droit, copier, et je clique sur coller. Je fais un collage du texte seulement, pas de la mise en forme. Donc bouton droit, copier, toujours dans ce diagramme, je valide OK. Alors ici, le point d'exclamation est inclus, copier, et le dernier texte, le voilà, donc Hawa, le diagramme d'Yali, écrit. Pour la tâche 6, ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état du document. Donc je vais copier tout d'abord le mot vidéo pour l'ajouter dans, ajouter ce mot dans les propriétés d'état du document. Donc je vais dans fichier, je vais afficher toutes les propriétés pour afficher la propriété état. Ici, je fais coller. Donc la dernière tâche, afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Veuillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Donc je vais sur Fichier, Options, Affichage et cocher Tabulation et valider par OK. Donc le document là est bien créé. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن بصدد تصحيح بروجي 2 من سلسلة موس وورد 2006. Tout d'abord, je vais fractionner le document pour avoir les tâches en dessous. Alors, fractionner. Donc, voici les tâches et voici notre document en dessus. Pour la première tâche, insérer le contenu du fichier accueil situé dans le dossier objet des projets après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Donc pour faire cela, je vais tout d'abord chercher l'emplacement où je vais insérer ce texte. Donc après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Donc voici la ligne horizontale. Donc après, c'est ici. Donc après la ligne horizontale. Donc je vais à insérer. Après, juste dans le groupe texte, je vais à insérer texte d'un fichier. Donc je clique le texte d'un fichier et je vais dans je vais chercher le fichier accueil.docs, le voilà, je clique et je valide par insérer. Donc voici la première tâche. La deuxième tâche, appliquer l'effet bezier arrondi adossé à l'image de la tasse de thé, le sachet et la fleur. Donc voici l'image. Je vais appliquer un effet bezier arrondi adossé. Je sélectionne l'image, je vais sur l'onglet dynamique mise en forme et je clique sur un effet d'image, voici bezier arrondi adossé, le voilà, et je valide par en cliquant, je valide en cliquant sur l'effet demandé. La troisième tâche, déplacer l'image contenant une tasse de thé
le sachet et la fleur juste en dessous du titre des vers. Donc je vais déplacer cette image, donc bouton droit couper, et je vais en dessous du titre des vers, bouton droit coller. Ou bien je fais CTRL X et je vais ici, je mets CTRL V. Donc voici l'image est collée en dessous du titre T vert. Pour la tâche 4, ajouter l'image bold T vert JPG située dans le dossier objet des projets sous le texte dans l'encadré. Donc je vais chercher l'encadré, donc en dessous, voici le curseur ici. Alors je vais sur insérer, image, pardon, je vais insérer, image, et je clique. Donc voici bold T vert, insérer. Donc la dernière tâche, réorganiser le texte dans le graphique Smart Art afin de faire apparaître les T verts chinois au-dessus de le T machin mélangé. Donc voici le Smart Art. La forme tenir, j'y de la forme. Donc je sélectionne et je vais, et là, la deuxième, on chie l'onglet dynamique, création, et je fais descendre, ou bien je sélectionne Mulena directement. Donc les descendre pour monter cette forme, je clique comme ça, et pour descendre, je clique comme ça. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دونك الآن غادي نصحو لو بروجي نيميرو 3 في موس وورد 2006. alors pour la première tâche, régler l'interline de sorte que la totalité du document soit à double interline. Donc ici je fais CTRL A pour sélectionner tout en faisant le raccourci du clavier CTRL A. On sélectionne le tout et on va à accueil, interline, option d'interline, et je mets ici interline double et je valide par OK. Donc à moi les interlines sont en double. Pour la deuxième tâche, couper le deuxième paragraphe sous le titre les compétences et collez-le entre les deux paragraphes situés sous ce titre capital des compétences internes. Donc je vais chercher tout d'abord le titre, le sous-titre les compétences, qui commence par les compétences. Donc voici le titre, les compétences au service de la stratégie. Donc couper le deuxième paragraphe. Donc je vais chercher le deuxième paragraphe. Parce qu'on a le paragraphe, je peux faire le marqueur qui atteint le début et la fin du paragraphe. Voici la fin du premier paragraphe et voici la fin du deuxième paragraphe. Donc je vais sélectionner tout le paragraphe et je clique couper. Donc et je vais, pardon, je vais et coller-le entre les deux paragraphes situés sur le titre capital des compétences. Donc juste entre les deux, entre le premier et le deuxième. Donc on dit le marqueur, on dit le paragraphe ici, on dit Hada, voilà. Donc je vais ici et je mets et CTRL V. Et voici le paragraphe est collé de le premier et, entre le premier et le deuxième. Donc pour la tâche numéro 3, modifier la mise en forme du texte commençant par une question inévitable et se terminant par la fonction de l'entreprise avec l'attribut en phase intense. Donc je vais chercher le texte. Alors je vais copier le texte et je clique sur chercher. Donc voici le texte. Donc les marqueurs. Juste le point. Qu'est-ce que la question.
question هي هذه. Donc, est-elle entreprise? Aïe, entreprise de point. Et je vais appliquer l'attribut en phase intense. Donc, voici les attributs ou bien les styles. On va dire Michel en phase intense, c'est-à-dire en phase pâle, c'est-à-dire en phase intense. Donc, la tâche 4, insérer un nom DataBond qui ne sera pas affiché sur la première page. Donc, je vais à l'onglet insertion. Je clique sur en tête et je cherche l'entête à bande. Et je clique comme ça, il y a déjà inséré et qui ne sera pas affiché sur la première page. Donc je décoche première page différente et c'est terminé. Donc la cinquième tâche, créer un signé nommé budget formation. Donc je vais sélectionner le texte, copier pour le mettre dans le signé. Donc, créer un signé nommé budget formation pour le sous-titre budget formation. Donc, Ratimchi dans le document, je sélectionne le titre d'Yali ou bien je pose le curseur seulement juste avant le titre. Donc, je sélectionne le titre, je vais faire insertion, signé et je mets coller, ajouter. Donc, Hawa, le signé est créé. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لو بروجي 4 ديمنا موس وورد 2016. دونك اون فافوار لا بروميير تاش اجوتي ان سو دو سيكسيون باج سويفونت ايميدياتمون افون بيي بار اورغانيزاتور او با دو لا بروميير باج. دونك جو في شيرشي لو تيتر او با دو لا بروميير باج. دونك voici la première page, voici le titre et je vais ajouter un saut de section page suivante. Donc je clique avant le titre, je vais mise en page, saut de page, saut de section page suivante. Pour la deuxième tâche, ajouter une numérotation de page de type barre d'accentuation 2 au bas de la au bas de chaque page. Donc je vais créer une numérotation de page de type barre d'accentuation au bas de la chaque page, donc au-dessus de chaque page. Je vais insérer un numéro de page au bas de la page, barre accentuation 2, je vais juste ici, donc voici barre accentuation 2, et je clique. Donc, pour le reste des questions, ici la deuxième, voici la troisième. Localiser la liste qui suit le sous-titre Brésil et la Coupe du Monde et modifiant la numérotation en utilisant les lettres majuscules A, B, C au lieu des chiffres. Donc je vais chercher d'abord le titre. Le titre. Voici la liste qui suit ce titre. Et je vais changer les lettres 1, 2, je vais chercher changer les chiffres 1, 2, 3 par des lettres A, B, C. Donc, soit je sélectionne la liste comme ça, soit je sélectionne les numéros et je vais sur A, B, C et je clique. Quatrième tâche, appliquer le style vert accentuation 6 plus clair 80 comme couleur d'arrière-plan de la page. Donc, je vais sur création, voici couleur de page, je sélectionne et je sélectionne la couleur vert accentuation plus clair accentuation 6 plus clair 80. Tâche 5, dans la section pays par organisateur, reconfigurer les valeurs de la liste pour commencer à partir du nombre 1071. Donc je vais sur la liste, l'IAD. Donc là je vais cliquer sur les puces numérotées et je vais sur accueil, définir la valeur de numérotation ou bien bouton droit sur la liste, définir la valeur de numérotation et je commence par 1071 et je valide par OK. Donc il y a une petite erreur, je vais vous montrer ce qu'il y a.
normalement هذه ترجع ديريكتومون لهنايا هنا هي جوست ان بروبليم دو تابولاسيون دونك سي لا ديرنيير كيستيون ميرسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة لبروجي 5 Most World 2016, la première tâche, mettez en surbrillance avec la couleur cyan le texte de la ligne qui commence par yaourt. Donc je vais chercher la ligne, la voilà, yadi, et je vais mettre ce texte en surbrillance avec la couleur cyan. Donc je vais sur accueil, voici le stylet de surbrillance et voici la couleur cyan. Deuxièmement, mettez en forme le titre liste de courses mensuelles comme zone de texte. Donc le titre indi wahada liste de courses mensuelles. Je sélectionne le texte et je vais sur l'onglet insérer dans le groupe texte indi insérer un objet word art. Donc là, je vais chercher le style demandé remplissage dégradé gris wahada remplissage dégradé gris et voici le titre. Et modifie. Utilisez la fonction de rechercher et remplacer pour remplacer toutes les occurrences instantes de légumes par fruits. Donc je vais chercher légumes, copier. Je vais aller sur l'onglet accueil, remplacer. Voici légumes. Je vais chercher les mots et je vais les remplacer par fruits. Et je fais coller ici. Je clique remplacer tout. Oui. Ok, il a trouvé 6 sur remplacement. Ok, fermé. Donc, pour la tâche numéro 4, ajoutez une forme parchemin horizontale avec le texte le mois de décembre 2017. Donc, je sélectionne ce texte, copier, et je vais juste à la fin ici, j'insère une forme. Appelé parchemin horizontal. Voici la forme, il y a dit parchemin horizontal et je trace la forme comme ça, bouton droit, coller le texte et aligner cette forme au centre en bas de la page. Donc pour l'alignement, je vais positionner l'image au centre en bas de la page, soit j'utilise cet outil, soit je vais modifier les options de disposition afin de la centrer par rapport à la page. Donc je vais horizontalement et là centrer par rapport à page, alignement en bas par rapport à page et je clique OK. Donc voici la forme parchemin est alignée sur, au centre en bas de la page. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة للو بروجي 6 Most World 2016 Alors pour la première tâche, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au cinquième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc là, je vais aller sur l'onglet accueil, dit le groupe édition, il y a la petite flèche ici et je clique sur atteindre. Et là, je vais atteindre le cinquième titre. Donc, je vais à la fin de cette liste, titre, et j'écris ici 5. Je clique sur atteindre. Donc, pour la première tâche, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au cinquième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc, je vais dans l'onglet accueil, dans le groupe édition il y a une fonction qui s'appelle atteindre donc je vais toujours ici dans le titre et j'écris 5 ici et je clique sur atteindre donc je ferme voici le cinquième titre donc là pour savoir où est le premier paragraphe je dois marquer les paragraphes ici. Donc voici le premier paragraphe qui se termine par y parvenir. Donc là, je vais supprimer le paragraphe
en effaçant le premier paragraphe. Donc, après, je passe la deuxième tâche, ajouter des puces à la liste en retrait à partir de Bidji Formation. Donc, finalement, Bidji Formation, il y a la liste en retrait. Donc, là, je sélectionne et je mets des puces comme ça dans l'onglet Accueil. Je clique sur des puces. Troisième question, ajouter une page de garde à bande, supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Donc, là, je vais chez Fichier. Pardon, vas-y, la création, mise en page, juste non, insertion, pardon, insertion. Donc là, je vais insertion, page de garde, et je clique sur abonde ici. Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais sur l'onglet insérer, page de garde, et je vais sur abonde comme ça. Donc voici la page de garde. Pardon, ajouter une page de garde, supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Donc, l'adresse de la société, je dois la supprimer. Si je supprime par exemple ça, d'abord l'espace réservé. Donc, je dois la sélection. Je dois sélectionner adresse. Le bloc, il doit être en bleu. Et je clique sur supprimer. Quatrième tâche, après le saut de section. Modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Et là, je finis le document. Je vais vous montrer quel est le saut de section. Je vais vous montrer. Soit, j'ai accueil, on dirait les marques. Donc, là, je vais chercher le saut. Donc, là, voici le saut de section. Après le saut de section. Donc, là. Donc, j'ai dit que c'est là. Soit, on a le début de la page. Comme si la fonction atteindre. Et je vais à la section onglet suivant, à vous directement à obtenir la section. Donc là, je vais mettre l'orientation de la page, mise en page, orientée, paysage. Donc là, la page est orientée. Au-dessus du sous-titre obligation légale, on est au-dessus, on est avec nous. Donc insérer le contenu. Normalement, si on a un espace entre les deux, je vais cliquer un angle au-dessus. Puisque vous m'avez dit, donc je vais poser le curseur avant le titre obligation légale. Insérer le contenu du fichier, rembourser vos clients. .rtf situé dans le dossier objet des projets. Donc, je vais insérer groupe texte, texte d'un fichier. Donc je clique et voici le fichier demandé rembourser vos clients.rtf et je clique sur insérer. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله نصحح بروجي 7 من موس وورد 2016. دونك لي طاش هما هادو لو دوكيمون دو ترافاي وهذا avec le titre les fruits secs. Ajouter du texte de remplacement au tableau en mettant comme titre fruits secs avec la description liste des dates. Donc on va chercher tout d'abord le tableau. Alors avec un bouton droit sur le tableau, on va sur propriétés du tableau. Alors là, on a une boîte de dialogue, le fait à des onglets. Alors on va sur texte de remplacement. Voici le titre et voici la description.
دونك خصنا نديرو واحد لو كوبي كولي ديال الفروي سيك. الوغ غندير واحد كوبي كولي، ها هي كوبي بوتون دووا بروبريتي اي جو كول فروي سيك هنايا في لو تيتر. كوم ديسكريبسيون غادي ندير كوبي بوتون دووا بروبريتي et je vais sur la description. Ok. Pour la deuxième tâche, dans la phrase qui commence par la noix se situe à l'extrémité, insérez un symbole marque déposée à la fin de poivron de couleur. Donc la phrase qui commence par la noix et se termine par un point de couleur à la fin, on va mettre un symbole de marque déposée. Donc je vais chercher la phrase Hadi. Alors, angle bouton droit, copier, accueil, chercher. Donc, il a trouvé deux emplacements. La voilà, il y a dit, d'accord. Maintenant, je vais la question. Alors, là, la phrase, il y a dit. Donc, à la fin de la phrase qui se termine par couleur. À la fin, après S, on va mettre le curseur. Je vais insérer symbole. Autre symbole et je vais chercher les symboles avec le latin 1. Alors supplément latin 1 et je clique. Alors ça c'est le symbole de copyright et ça c'est le symbole de marque déposée. Ah ouais, le titre dit le symbole marque déposée. Je clique et je clique sur insérer. On va dire insérer, la voilà, elle est déjà insérée et je ferme. La troisième tâche, appliquer au tableau le style tableau gris 1, clair, accentuation 2. Donc je sélectionne le tableau ou bien je clique dedans. Maintenant, l'onglet dynamique création et je cherche le style nommé tableau gris. Alors, voici le tableau gris 1, voici la liste des tableaux gris 1 avec une accentuation 2. Je pense il y a dit tableau gris 1, clair 2. Clair accentuation 2. Donc, how to apply là le tableau. Quatrième tâche, inspecter le document et supprimer toutes les informations personnelles que vous trouvez. Donc, allez-y, monsieur le fichier. Monsieur, vérifier l'accessibilité. Je clique. Et inspecter le document. Alors, pour inspecter le document, on va supprimer toutes les informations personnelles que vous trouvez. Alors, inspecter le document, oui, je clique sur inspecter et voilà les propriétés et les informations personnelles demandées. Alors là les informations personnelles et je clique sur supprimer tout, fermer. Donc c'était la dernière tâche, merci. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح بروجي 8 MOS World 2016. Donc la première tâche, appliquer une bordure de page de type encadrement à l'ensemble du document avec une largeur de 3 points et de couleur or accentuation 4. Donc je vais sur le document et sur l'onglet création dans les bordures de page et je vais sur le type encadrement, voici encadrement à l'ensemble du document et appliquer à tout le document avec une largeur de 3 points, largeur 3 points et de couleur or accentuation 4. Donc on a accentuation 6, accentuation 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, je vais sur accentuation 4 les voix or et je clique sur OK. La deuxième tâche, configurer le texte sous le titre, un périmètre et des priorités de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. Donc pour faire cela, je vais
chercher d'abord le texte, finalement, un périmètre des priorités. C'est le titre, donc le texte qui suit ce titre. Voici le titre et voici le texte. Donc, le texte, la partie tenir. La question, c'est que le texte, il va glisser à gauche de l'image. Donc, c'est pour cela, on travaille sur l'image. On dit, sur l'image, sur la mise en forme, on dit, entre l'eau, habillage. Habillage, on dit, du lot, autre option de disposition. D'accord? Donc, on dit, l'habillage comme ça, aligné sur le texte. Donc, on a habillé le texte seulement à gauche. On dit, à gauche. Donc, je vais choisir encadrer et je vais seulement à gauche et je clique OK. Le voilà, le texte d'Yali, il glisse à gauche de l'image. Troisième tâche, créer un signé sur le titre un projet de territoire, nommer ce signé projet. Donc là, je vais sur le titre. Voilà, je sélectionne le titre ou bien je mets le curseur avant le titre. Donc je sélectionne, insérer, signer, voilà. Et pardon, je vais copier le nom, copier, et je vais sur le titre, insérer, signer, je colle le HADA, ajouter, et c'est terminé. Donc pour la tâche 4, dans la dernière page, voici la dernière page, sous le titre pour nous contacter, transformer l'adresse web en lien hypertexte. L'adresse, on va la transformer en lien. Donc je vais sélectionner l'adresse comme ça, insérer lien, lien hypertexte, et voilà l'adresse du lien, et voici le texte là, déjà sélectionné, et je clique sur OK. Donc voici le lien. Page 5. En bas de la dernière page, remplacer le texte symbole par le symbole copyright. Donc le texte est le symbole. Il va être remplacé par le symbole copyright. Bhal ki درنا le symbole في الفيديو السابق في البروجي 7 درنا symbole marque déposée, هذا غنديرو symbole copyright. Mais faites attention, on a des crochets داخلين حتى هما في le texte. Donc tu as خصهم يحيدو. Alors هنا je sélectionne, mais faites attention, c'est juste le crochet, mais sélectionner chaque espace entre symbole et maison. Donc sélectionner le texte et je vais sur insérer symbole autre symbole, toujours on va sur le supplément latin 1 باش نقربوا le symbole ديالنا, et voici le symbole copyright. Je sélectionne symbole copyright, insérer et je ferme. Donc le voilà, le symbole a remplacé le texte symbole. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح التعليمات المتعلقة بالبروجي 9 MOS World 2016. أول سؤال, ajuster les marges de page de façon à les mettre en miroir. Donc on va sélectionner dans l'onglet mise en page, on va sélectionner les marges en mettant en miroir. Donc pour page, marge en miroir. Alors pour la deuxième question, ajouter la zone de texte citation abonde en bas de la page de couverture dans la partie centrale et insérer le texte qui commence par gagner jou kada jusqu'à mascouche. Tout d'abord, je vais copier le texte. Copier. Après, on va sur la page de couverture. Donc, je fais juste cliquer la page, je sélectionne l'image. On clique en dehors. Puis, je clique insertion et je vais sur zone de texte et voilà citation abonde. Il a dit, tu cliques il y a. Donc là, je vais coller le texte, copier. Alors coller avec, je conserve seulement le texte sans mise en forme.
et je clique. Donc voici la zone de texte est insérée avec le texte demandé. Puis je vais la déplacer en bas de la page dans la partie centrale. Donc je sélectionne la position et je choisis centre en bas. Comme ça. Donc pour la troisième tâche, dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. Alors je vais chercher dans la dernière page, dit la table des matières. Je clique sur la table, dit un bouton là, mettre à jour la table. Je clique et je choisis mettre à jour toute la table. Ok. Pour la quatrième tâche, dans la dernière page, sous le titre conclusion. Voici le titre conclusion. Sous le titre conclusion, insérez le contenu du fichier conclusion.docs situé dans le dossier projet. Donc, je vais sur l'onglet insertion. Je vais à ici le groupe texte, texte d'un fichier, et je choisis le texte demandé, les voies conclusion.docs. Conclusion, et je clique sur insérer. Donc pour la dernière tâche, inspectez le document et supprimez toutes les données XML personnalisées que vous trouvez. Donc à dire fichier, vérifiez l'absence, inspectez le document, oui, et je clique inspecter. Alors là, je vais choisir les données XML. Un autre projet, quand on demande les informations personnelles, quand Dieu le supprime et tout. Maintenant, les données XML personnalisées. Données XML personnalisées, supprimer tout et fermer. Donc ça, c'était le projet 9. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله سنصحح الأسئلة المتعلقة ببروجي 10 MOS World 2016. Donc pour la première tâche, sélectionnez la première section du texte le collège américain of basketball and terminal scope jusqu'à le texte très élevé et modifie la mise en page pour la mettre sur deux colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Donc je vais chercher le texte. Donc voici le texte, le collège, jusqu'à très élevé, c'est-à-dire. Donc je sélectionne le texte, comme ça. Voilà. Même s'il y a l'image dans la sélection, ce n'est pas un problème. Alors je vais. Voici le texte en deux colonnes. Deuxième tâche, sur la dernière page à gauche du titre, étape 3, donc la dernière page, la voilà, à gauche du titre, ici, et là, insérer un pseudo-page de type habillage du texte. Donc je vais toujours sur le même onglet, mise en page, pseudo-page, voici le pseudo-page de type habillage du texte, au col. Donc, tâche 3, dans la dernière page, sous le titre, pour aller plus loin, donc là, sous le titre, hein, qu'est-ce qu'on va mettre? Transformer en liste les paragraphes capitales jusqu'à, hein, jusqu'à entraîneur de l'équipe de France. Entraîneur de l'équipe de France. Appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification.jpg. Situé dans le dossier objet des projets. Donc je vais sélectionner le texte tout d'abord en sélectionnant la liste il y a dit et je vais sur l'onglet accueil puce définir une puce. Alors je vais chercher une image, cette image nommée vérification.jpg. Je travaille hors connexion. Donc, dans le dossier objet des projets, indique l'image vérification. Je clique insérer. OK. Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, هنا, je cherche définir le plus, image, travailler hors connexion, vérification, insérer, OK. Donc, on va sur la tâche 4, appliquer l'effet artistique photocopie à l'image sur la dernière page. Donc, je cherche l'image, je clique. On va appliquer à cette image l'effet artistique photocopie. Donc, je vais chercher l'onglet format. Et voici les effets artistiques. Donc, parmi les effets artistiques, voici l'effet photocopie. Donc, voilà, et je clique. Donc la cinquième tâche, dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image en sélectionnant bleu, accentuation 1, plus sombre, 25. Donc je sélectionne l'image. L'image, c'est un objet. Donc quand je sélectionne un objet, un nouveau onglet dynamique apparaît ici. Donc voici l'onglet format. Et je vais dans les bordures, donc je vais appliquer une bordure de l'image. Donc bordure bleu, accentuation 1. Le voilà avec un sombrage de 25 watts. Et je clique. Donc c'était la dernière tâche. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سنحاول تصحيح بروجي 11 ضمن موس وورد 2016. Donc pour la première tâche, configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH minuscule. Alors, donc on va à l'onglet fichier, option, vérification, option de correction automatique et j'écris UV, remplacer UV par le texte demandé UVAH minuscule et je clique sur ajouter, OK, OK. Donc c'est la première tâche. La deuxième tâche, réduisez d'un niveau les paragraphes I de Z dans la liste. Les paragraphes résultants doivent devenir A, B. Donc je vais chercher tout d'abord la liste. Donc voici la liste 1, 2, donc voilà, il y a la liste les demandés, I, 2, 1, petit 1, petit 2. Donc je sélectionne la liste comme ça. Après, je vais sur l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe où il y a les puces, je modifie le niveau et je clique sur le deuxième niveau, c'est A. Donc voici les paragraphes résultants doivent devenir A et B. Il y a A et la tâche 3. Incluez les deux derniers paragraphes. La première ligne contient le nom, donc le paragraphe qui commence par la première ligne et qui se termine par 8 chiffres dans la liste numérotée. Poursuivez la séquence de numérotation existante. Donc je vais chercher les deux paragraphes. On va à la fin. Donc les voilà. L'équipe d'âme la première ligne tatata. Et c'est celle-là à 8 chiffres. Donc je sélectionne les deux paragraphes et avant la sélection je reproduis la mise en forme de la liste précédente. Donc je clique et je clique sur reproduire la mise en forme et je sélectionne les deux paragraphes et voici la numérotation est continuée 5, 6, 7. Pour la tâche numéro 4 dans la dernière page, la voilà, il a dit supprimer toute la mise en forme appliquée à en date du 11 décembre 2017. Donc, Hawa, le texte est demandé. Donc, le texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la mise en forme. Donc, pour supprimer la mise en forme, il y a un outil, Hawa, le fait had A, la gomme. Donc, c'est effacer toute la mise en forme et je clique. Pour la tâche numéro 5, dans la dernière page, mettez le texte calendrier et programmation annuelle. Donc, le texte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le texte en gras et je vais appliquer un trait de soulignement épais bleu. Puis, je mets la taille de police à
14. Donc, tout d'abord, en gras, avec un trait de soulignement épais bleu, donc un soulignement épais, le voilà. Et je change la couleur avec bleu, voici bleu. Après, la taille, c'est 14. Donc, c'était le dernier. Et c'était la dernière tâche. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hada al-video, sa nusahih projet 12 Moss World 2016. Donc, pour la première tâche, appliquer le jeu de style informel au document. Donc, le document diali wahda. Alors, je vais appliquer le jeu de style informel au document. Pour faire cela, je vais à l'onglet création. Donc, dans l'onglet création, il y a plusieurs jeux de style. Donc, je vais chercher l'un de ces jeux de style qui est nommé informel. Donc, voici informel. Le voilà. Et je clique. Deux. Au bas de la première page, dans la partie centrale, paramétrer l'interligne de nom de la société, adresse et code postal. Donc voici la première page, au bas, au centre, donc Wahada. Donc voici le texte demandé. On va dans l'onglet accueil et les interlignes, on clique sur option d'interligne ou bien le gros paragraphe et je clique sur le bouton des options supplémentaires des paramètres des paragraphes. Alors ici interline, je vais mettre à exactement et 14 points. Je valide par OK. Donc pour la troisième tâche, dans la partie droite de la dernière page sous la photo, donc je vais chercher la dernière page et il a dit. Donc, elle dit c'est la dernière page. Sous la photo, ici, insérer le contenu du fichier liste des rivières situé dans le dossier projet. Donc, je vais dans l'onglet insérer. Ici, dans le groupe texte, je vais insérer un texte d'un fichier. Et voici le texte, le fichier demandé, liste des rivières.odt. Et j'insère comme ça. Donc le voilà. Quatrième tâche, dans la dernière page, au-dessus du titre, les rivières font partie des zones humides. Donc voici la dernière page. Au-dessus, ici, là. Insérer la photo bien faite située dans le dossier objet des projets. Donc on va cliquer sur l'onglet insérer, image. Et voici l'image bien faite. Demander, j'insère comme ça. Donc le document est terminé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hada al-video, sanusahih projet 13 Moss World 2016. La première tâche, appliquer le style élevé aux rubriques les premières éditions en page 1 et un concept proche du rallye Paris-Dakar en page 2. Donc je vais appliquer un style à la des rubriques, la première Yadi et le deuxième titre WAD. Donc là, je vais sélectionner tout d'abord le titre numéro 1, comme ça, voici le titre. Et je vais accueil élevé. Voici le style élevé. Donc au niveau de la sélection, Moumkin sélectionner le titre Tariqa. Donc là je sélectionne tout le paragraphe bima fi dakhla de la partie de la sélection. Ou Moumkin sélectionner seulement et le texte sans le paragraphe comme ça. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Alors il suffit de mettre les marques de Tariqa ou qui est le paragraphe. Donc, je vais sélectionner. Donc, juste un S, c'est le texte.
Regarde, quand je coupe, qui est pas le paragraphe, l'emplacement dialogue. Mais quand je sélectionne tout le paragraphe, quand je coupe, le paragraphe est supprimé. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème si vous avez sélectionné l'espace. Donc, je sélectionne le titre et je mets le style élevé. Comme ça. Et voici le deuxième. Je sélectionne et je mets le style élevé. Ou bien, je les sélectionne tous les deux en même temps. Voici la première sélection. Ou la deuxième, je mets contrôle de clavier et sélectionner les tout. Puis, mettre élevé. Ou bien, tu vas mettre... Tu fais la reproduction de la mise en fond. Tu sélectionnes le premier titre. Tu mets le style élevé. Et tu reproduis la mise en forme. Elle a le deuxième titre. Donc, pour la deuxième tâche, en page 1, convertissez le tableau en texte séparé par du tabulation. Donc, je monte dans le tableau. Je mets le curseur dans une cellule. Et je vais à l'onglet dynamique disposition. Convertir en texte et avec des tabulations, on a le séparateur, ce sont des tabulations et je mets OK. Pour la troisième tâche, en page 2, sélectionnez la phrase, elle est désormais connue des liaisons très courtes. Donc, la page 2, il a dit, donc voici la phrase, elle est désormais connue. Donc ça, donc je sélectionne la phrase, admettons de la sélection comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la déplacer après le texte. Donc, le texte dont il porte officiellement le nom. Après le texte qui s'est libéré de la phrase. Donc, là, je vais faire couper. Alors, après le texte, donc là, je mets coller. Mais, faites attention, mais sans la mise en forme en italique. Donc, je vais couper seulement. Je vais conserver uniquement le texte, comme ça. Tâche 4. En page 2, modifier les couleurs du Smart Art en plage de couleurs, couleurs vives 2 à 3, et changer le style en effet moyen. Donc, je vais dans le Smart Art. Voilà, je le sélectionne. Donc, un onglet dynamique des les outils du Smart Art. Donc, je vais dans Création. Et voici les couleurs. Ils ont demandé... couleur vive 2 à 3, il a dit couleur vive 2 à 3 et je clique. Après, j'applique le style effet moyen. Donc j'entre dans les styles. Voici le style effet, pardon, le voilà, un effet moyen et je clique comme ça. Donc c'est terminé pour le projet 13.